Je vais présenter la position Kokutsudashi. Kokutsudashi, on l'appelle en français la position en L. Position en L, on fait comme un L avec nos pieds. J'avance mon pied sur une ligne droite en avant. Mes deux genoux sont pliés. C'est important de garder 60% de son poids sur la jambe arrière, 40% sur la jambe avant. Mon pied en avant est toujours vers la cible. Il n'est pas rentré comme ça ici. On essaie d'aligner notre gros orteil à notre talon arrière le plus possible et de rester bien plié. Quand je fais un déplacement, je pousse sur ma jambe arrière, je rentre mon talon et j'avance mon pied. Toujours en gardant mes pieds comme un L. Super important. Le pied arrière ne doit pas être comme ça et le pied en avant ne doit pas être entré. Rentré. Je vais vous placer de côté maintenant. Comme ça ici. Ça, c'est mon centre et je recule juste un petit peu. Mon genou doit être environ à la hauteur de mon pied en arrière. Mon genou ne doit pas être à l'intérieur, l'extérieur, comme ça ici. Mes deux genoux sont pliés. C'est la position pour le chuteau. Je vais le faire avec un déplacement. Ici. Vous remarquez que j'ai gardé mon poids sur ma jambe arrière. Je n'ai pas avancé en avant. Mon genou égal, environ égal à mon pied.